dernière petite vérification et votre système de transmission sera de nouveau opérationnel. Mike, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait un court-circuit. Pointeur, feu! Hey, arrêtez! Qu'est-ce que c'est? Harry, tu me disais quelque chose? Plexor, feu! Occupons-nous de la boîte noire. Mais dites donc, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Eh bien, ne restez pas comme ça, réparez. Vanessa et Rax ont connecté la boîte noire. Et dans quelques instants, je serai le maître absolu de la cité. La première chose à faire est d'isoler totalement la ville du reste du monde. D'ailleurs, prends le central téléphonique. Moi, je vais m'occuper de l'émetteur radio. Tu remarqueras. Et alors, ces individus masqués surgis de je ne sais où se sont emparés de moi et m'ont ligoté. À l'heure qu'il est, ils contrôlent Cliff Wood. J'ai failli rester. Le détecteur de mensonges indique que le sujet dit bien la vérité. Bon, je veux un topo général sur Cliff Wood, Colorado. Cliff Wood, Colorado, population 1152 habitants, altitude 956 mètres, voie d'accès, une route nationale, une voie de chemin de fer, pas d'aéroport, principale ressource industrielle, bois de construction. Examine le fichier central de tous les ordinateurs de la Défense Nationale. Recherche toute information sur Cliff Wood, Colorado. L'ordinateur central de la Défense indique qu'un nouveau canon laser est envoyé en Californie pour des essais top secret. Le convoi militaire doit passer par Cliff Wood, Colorado, aux environs de 9h35 aujourd'hui. Dans le mille. Passe-moi le poste de police de Cliff Wood. Réponse négative. Toutes les lignes de Cliff Wood, Colorado sont coupées. Ah, bien joué, Mayhem. Mais tu ne crois tout de même pas que Mask va te laisser faire. Sélectionne les agents de Mask les plus aptes à remplir cette mission. Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code, Condor. Allez les gars, on reprend, on refrain. Oh, et puis après tout, repos pendant 2 jours. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code, Rhino.
Alec, secteur, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code, Gator. Buddy Hawks, expert en métamorphose et renseignement, copilote de Firecracker. Alors, et mes timbres, mon vieux ? Hondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat. Nom de code, Firecracker. Tu vas me promettre d'aller immédiatement voir le censeur pour lui dire ce que tu as fait, d'accord ? Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de kung-fu, copilote de Gator. Sélection approuvée. Formation d'un commando blindé de choc. Enregistré. Ici Mask, quartier général. Il y a des gens sur la voie devant. Mais c'est dingue, qu'est-ce qu'ils font là? Je crains, messieurs, que vous ne soyez obligés de faire un petit détour. Halte ou je tire? Oh, mais bien sûr, à vos ordres, lieutenant. Plexan, feu! Ah! Arrêtez, un pas de plus et nous ouvrons le feu. Le feu, vous dites? Je vais vous montrer quelque chose. Flascor, feu! Ah! Eh bien, Mayhem, qu'est-ce que je vous avais dit? Tout a marché comme sur des roulettes. C'est vrai, enlevez la bâche. Il y a encore des choses à faire avant de se mettre au travail. Il faut boucler la route et s'arranger pour que personne ne puisse avoir accès à Clifford. Aucun doute. Venom veut s'emparer du canon laser. Avec une arme pareille à leur disposition, cette bande d'affreux pourrait causer de véritables ravages. Et l'ennui, c'est que selon toute probabilité, alors qu'il est, le canon est entre leurs mains. Eh bien, pas question qu'ils le gardent. Exactement. Allez, en route. Énergétisation des masques. C'est la ligne de chemin de fer qui mène à Clifford. Bon, on va former deux groupes. Je prends la grande route avec Rhino et Firecracker. Brad, Dusty et Gloria, vous allez suivre la voie ferrée. On se retrouve à la gare. Parfait, Matt, à tout à l'heure. Allez, grouille-toi, espèce de tortue. Il y a quelque chose sur mon radar. Oui, oui, mais une minute, poser des bombes, c'est tout un art et ça demande du temps. Et voilà, ça marche. Le premier qui effleure le cap, boum, un vrai feu d'artifice. Bon, je vais voir ce qui se passe sur la route. Matt, j'ai quelque chose sur le radar, et ça vient droit sur nous. Prépare-toi. Position défense. Venom ! Masque ! Parfait, les enfants. Ça, c'est du beau boulot. Allez, on continue à les suivre. Allez, allez, venez, mes mignons. Stop ! Il y a un câble en travers de la route. Propulseur ! Essayez donc de parer ce coup-là. Ulox, feu!
sortez les canons anti-pesanteurs, vite! Attendez un peu, messieurs de masque, moi je vais vous faire rentrer sous terre. Je crois qu'une petite dose de canon magnétique s'impose. En position, paré, feu! Oh non, c'est pas vrai! Il y a une fuite au réservoir de carburant. Il faut vite que j'aille me poser à Cliffwood pour faire réparer. Je te laisse terminer l'opération. Hé, hey, attends, moi aussi je pars! Alors les gars, rien de cassé? Pas de bobo à première vue, mais comment va-t-on passer? Tu oublies les canons anti-pesanteur de Rhino. Allez au travail! Ça y est, Matt. Vous êtes prêts? Paré! À nous de faire le grand saut. Contrôleur de quoi on est capable! Comme je dis toujours, la vie est un perpétuel combat, et le nôtre vient juste de commencer. On a vérifié toute la voie ferrée, aucune trace du convoi. Et à la gare suivante, pas de train non plus. Un convoi de 1000 tonnes ne s'évanouit pas dans les airs. Lorsqu'un prestidigitateur escamote un lapin, nos yeux ne voient plus le lapin. Mais il est toujours là. Notre train aussi, mais nous ne le voyons pas. Et si on essayait avec ton masque? Bonne idée. Je vais le brancher sur la détection du métal. Il y a quelque chose dans le lac. Dusty, ça t'ennuierait si je t'empruntais ton véhicule et ta copilote? Oh, pour moi, il n'y a pas de problème, mais il faut demander à la dame. D'accord, allons piquer une tête. Bien le train, mais où est donc passé le canon laser? Excellente question, ma chère Gloria. Pas un chat dans la gare et personne aux alentours. Le train est bien dans le lac, mais aucune trace du canon. Hé, hey, regardez! Et messieurs, où allez-vous comme ça? L'énigme est résolue. Venom a mis toute la ville sous hypnose pour forcer les gens à démonter son canon laser. Regardez ce poste! À mon avis, nos masques nous protègent de l'effet de saison. Venez, il ne nous reste qu'à suivre ces hommes. Le canon est presque entièrement remonté. Mais bon sang, pourquoi ont-ils remonté ce canon dans une vieille scierie? On trouvera la raison. Mais pour l'instant, il faut les arrêter, en route. Nous serons bientôt prêts pour une petite démonstration convaincante. Je suis sûr que les compagnies pétrolières du Texas seront prêtes à payer des millions pour éviter que leur gisement ne soit réduit en cendres. C'est une idée géniale. On a retenu les gens de masque aussi longtemps qu'on a pu, mais j'ai récolté un trou dans mon réservoir. Il a fallu réparer, c'est pour ça qu'on est en retard. De toute façon, ça n'a plus aucune importance. Dans quelques minutes, Masque ne pourra plus rien contre nous. Blascor, feu! Blixor, feu! Blascor, feu!
Oh, tu crois ça, regarde. Hé, hey, vous tous! Vous allez immédiatement bloquer ces véhicules. Exécution! Oh non, quelle bande de lâches! Ce n'est pas la peine d'insister, Mac. Impossible de passer sans blesser quelqu'un parmi ces pauvres gens. Tout ce que je vous demande, c'est de les empêcher de remonter ce canon. Je me charge du reste. C'est nous qui allons finir de remonter le canon. Allez au travail! Ces ondes hypnotiques sont sûrement contrôlées par un émetteur. Je ne vois qu'un seul endroit où on a pu le placer, et c'est là. Terminé, ça doit marcher. Et maintenant, occupons-nous de ces imbéciles. Ce n'est pas la peine. Nous n'avons pas une chance contre cet engin. Vite, tirez encore avant que les autres réagissent. Il faut laisser au canon le temps de se recharger en énergie. Quelques bûches pour vous réchauffer. Dépêchez-vous, il sera trop tard. Là, on a peut-être une chance. Allez, tous ensemble. C'est la fin pour nous, Mayhem. Il ne nous reste qu'à filer d'ici au plus vite. Non, rien n'est perdu. Scamrose, feu. Plus que 57 secondes avant l'explosion. Parfait. Les commandes sont verrouillées. Dans 45 secondes, le Texas tout entier brûlera. Trop tard, Mask. Mon rayon magnétique arriverait peut-être à le faire dévier. Horax, feu! Encore! Oh, ça ne marche pas, ce canon est vraiment trop gros! C'est fichu maintenant! Le canon va tirer! Spectron, feu! Pas d'explosion? Ça alors, je ne pige pas. Pas compliqué. J'ai utilisé mon Spectron pour transformer l'énergie du laser en simple lumière solaire. Alors tout ce qu'a pu faire Venom, c'est offrir au brave Texan un bon petit coup de soleil. C'est toi qui l'as emporté cette fois, Mask. Mais je te jure qu'on se retrouvera. Papa, attends une minute. Tu m'as toujours dit qu'il fallait s'assurer que les pieds d'une échelle étaient d'aplomb avant de grimper dessus. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour caler cette échelle, je ne vois pas. Eh ben moi j'ai une idée géniale. Et voilà! Pas de danger que tu tombes! Écoute, Scott, je ne crois pas que ton idée soit aussi géniale que tu le dis parce que moi je commence à avoir drôlement mal à mes circuits de pied!